Salut à tous, c'est TomZito pour le 35e épisode sur Dark Souls 2. La dernière fois je vous avais quitté au feu dans le château, j'y suis encore. Et nous allons pouvoir voir ce qu'il y a derrière cette fameuse porte. Ah, ouais, mais non. Ah, va-t'en toi. Ouais, j'en ai plein, des trucs comme ça. Vous sentez le symbole du roi. Le roi, le roi, le roi. Hop, voilà. Tu vois pas que j'ai la couronne et toute la panoplie qui va avec là? La cape qui rentre dans le bouclier. Allez, 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 voilà. Oh! Tu pouvais pas me faire venir là au lieu de te cacher derrière, saloperie, là. My journey is already complete. Pourquoi? My name is Chanelot. Chanelot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. Parler des dragons, c'est le contrôle des hommes. I once would cause fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire, she covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Éliminer Nashandra. Le boss final? Le boss final, Nashandra? Trône du désir. Ok. Ah oui! Tiens, je dois m'en rappeler. Je vous retrouve devant le marchand pour voir ce que nous donne l'âme de. J'allais dire l'âme de Gwen, non? Ça s'appelle pas Gwen. L'âme de Vendrick. Il donne une arme ou quoi que ce soit d'autre. A tout de suite. Négocier. Ultra espadon du roi. 10 000 âmes. Come again. On va faire ça. 10 000 âmes. On met combien? 800. Ou deux encore. Voilà. Parler. Négocier. Ultra espadon dur. Ah, je peux pas l'utiliser, il faut 50 en force. Un forgé grâce à l'âme de nanana, il endommage sérieusement l'armure de l'adversaire. Seul le roi saurait dire si la représentation de la reine est censée exalter sa beauté et exprimer l'amour qui le lie à elle. On va le faire. Par contre, il faut 50 en force. J'en ai combien? J'en ai 40, je crois. Pourquoi je suis monté à 52 en foi? C'est avec mon équipement? Ouais, je suis descendu à 49. Ouais, je savais parce qu'il me manquait que un point pour utiliser le sortilège. Alors, c'est quoi qui augmente? Les gants, peut-être. Non. Allez où cette nuit?
Ah oui, il y avait ça aussi, armure de machin. Armure renforcée à l'aide des alliages rares, l'acier de Guinan. Appartient au chancelier Wa Vélageur. Okay. Je sais pas comment ça se dit. Armure du roi, hop. Augmente, non. Là, ouais, ça augmente. Alors, ce serait la couronne qui ferait ça ou c'est tout le set? Ah non, c'est juste la couronne. La couronne augmente la foi. Pourtant, c'est pas précisé dans le truc. C'est pas précisé. Bref. Ah merde! Hop, hop, hop. Elle était bien aussi l'autre. C'est pas précisé, mais ça augmente la foi. Comme quoi, hein, il faut vraiment tout éplucher dans le jeu. Là, chaque item, il faut savoir parce que c'est vraiment assez particulier. Allez, c'est parti. On peut aller au portail. Allez, la Chandra. Qui prennent vie quand ils veulent, les machins. Allez. Sa jardin d'émeraude a disparu, ok. Trône du désir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Très bien. C'est bizarre qu'il soit par là, le trône du désir. Encore plus longue la ligne droite. Oh là là, si je crève, ça va me saouler de revenir là ici à chaque fois. Donc à moi de ne pas crever. Allez. Oh, je vois une marque. Non? Oui, il y a des marques. Bernet de l'Entregarde. Ok. Bradley, excusez-moi. Berne de Jougou. Oh oui, avec son épée. Oh toi, je t'invoquerai. Tête de Vargal. Ah oh, oui, mais... Ah oh, oui, non, les deux, là, je les invoque. Ces deux-là, je les invoque. Tête de Vargal, c'est celui qui a été la tête coupée dans les bois de l'ombre. Et lui, c'est avec son espadon bleu chelou. Allez, go! C'est obligé que c'est un boss, hein. C'est le boss de fin. Il y en a deux! Ah non, il y en a deux. Lequel je tape? Qu'ils en aggro, hein. Voilà. Mal. Fais mal toi. Ok. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Parce que une de morte. Ouais, me calcule même pas, hein. On va passer à l'autre. Ça devient compliqué. Ça
est pas morte? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Ouf. Ouais, c'était pas si compliqué. Âme du défenseur surveillant du trône. Ah bah mince, j'ai envie d'aller voir le... Ouais, j'allais dire, on voit toujours la fumée blanche, c'est quoi ce bordel? Ah, oh, j'aime pas ceux avec les faucilles, ça fait des attaques de dingue. Now, be one. Nashandra. Ah bah merde. Oh là là, elle fait un truc chelou. Oh, oh, je suis maudit, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce truc? Ça fait archi mal. Désolé, Jougo. Ah, dès que je m'approche des pierres, c'est mort. Comment je fais? Je suis obligé de crever alors. Ça bouge pas. Reste loin de moi, reste loin de moi. Ok. 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 Enfin, t'enchaînes deux boss et après t'as encore un autre boss qui arrive. Bon. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour la battre parce que... Il me faut un anneau. Cet anneau là. Cet anneau là il va me servir à ouvrir la porte. Cette porte. Assez balèze quand même le boss. Parce qu'il maudit et tout. Tiens, je vais mettre un anneau qui retire les malédictions. Oh, pardon. Hop. Donc. Enfin. Me revoici devant la porte du boss, donc j'invite mes deux petits amis là. J'invoque les deux, le dernier je l'invoque pas. Je l'invoquerai seulement si je vois que je galère de trop. Déjà deux on galère donc. Et je me suis équipé de l'anneau de résistance plus 1, donc ça augmente la résistance à tout quoi. Poison, pétrification, maléfice, saignement. Donc j'ai mis ça. J'ai mis l'armure du roi et tout. Ouais. À fond parce que ça sert à rien, je sais que pendant le combat je vais pas pouvoir utiliser le sort, donc c'est parti. J'ai le droit à la cinématique à chaque fois. Grave undead.
You have proven yourself to me. Ouais, donc elle me redit la même chose, mais... Tiens mes hommes. Leur vie à toute patate. Regardez ça, elle est trucide. Ah oui, finalement, je peux utiliser le soin. Utiliser une potion. Ou elle va exploser, non? C'est pas une si mauvaise technique en fait d'avoir invoqué les deux machins comme ça, elle les occupe. Travaillez pas s'il vous plaît. Tout de suite encore. Non. Oula. C'est un one-one. Refait. Ah, fait le même mouvement que le roi. Ah merde, j'ai cru qu'elle allait invoquer ses boules. Oh non, si elle lance son rayon, je suis mort. Elle va me lancer le rayon. Ah non! Ah, j'étais presque! Non! Oh non! Oh, c'est pas grave. J'ai trouvé la technique. Ça va le faire. Bon. Ben voici pour la troisième tentative devant le truc, quoi. Petite chose, je vais juste mettre mes gantelets de bouffon qui donnent plus de... d'XP, on va dire. Allez, c'est parti. Je vais tenir un petit peu plus longtemps que... On a réussi à tenir... moitié de vie. Donc là on voit que c'est boule, ok. Ok. Soin. D'accord. Ok, bien joué. En fait, ils m'ont servi à rien du tout, ces enfoirés, là. Chaque fois, je vais être obligé de rechanger. Allez, putain, pourquoi une fois qu'elle est ouverte, elle peut pas rester ouverte? Allez. Bon. Quatrième tentative. Franchement, c'est assez chiant. J'hésite avant à invoquer le dernier parce que franchement, la ligne droite elle est interminable. La porte, il faut que je change d'anneau à chaque fois. Chose que j'ai pas fait. Que je change d'anneau à chaque fois pour rouvrir la porte, c'est casse-couille. Et voilà quoi, c'est assez chiant dans l'ensemble. Bon, allez go. Laissez pas me tirer dessus, ça serait sympa les gars.
Pas la même connerie, pas la même connerie. Le caméa. Elle va faire son caméa. Non. Ouais, elle fait son caméa. Pas vu qu'elle faisait ça. Alors en fait c'est son truc qui est maudit là, il s'est casse-couille. Il y a pas un truc contre les pour être maudit ou un truc comme ça. J'ai pas ça dans l'inventaire. Bref, non. Un con. Du perron, du perron. Tac, ça. Alors ça, ça purifie les morts vivants. Non. Magique, l'arme en main droite. Bon, allez, vas-y, on va mettre ça. Bon, vraiment, je repère quand a fait ses boules, quel truc a fait. Donc là, là, je suis en train d'humanité. Donc, désolé. On invoque tout le monde. Et même comme ça, ça ils vont tous mourir en même temps, puisque c'est... c'est avec ses boules de pour maudire. Qui fait... Ah, je peux pas. Ah, je peux pas enchanter parce que les gens ont feu. Je peux pas augmenter non plus ça. Ouais. Ok, donc je peux pas l'utiliser là. Ce serait quand je serais sur le point de mourir que ça. Quoi? Ok. Ça fait un mouvement de bras, d'accord. Oh, oh. Oh, allez, vas-y, vas-y, va crever en enfer, putain! Oh, ça me gave rien là, ça m'énerve! Je vais pas réussir à la bête, c'est un truc de dingue. Allez, on rechange l'objet. Allez, c'est parti. Non, c'est bien, je l'avais gardé. Ah oui, je savais que j'allais crever comme une merde à chaque fois. Allez, cinquième tentative, c'est reparti. C'est génial. Franchement, ce boss, les deux coups. Voilà. Moi la paix, l'autre il t'attaque. Trois dessus quand même.
Non, dégage. Oh non. Putain, ça a une portée de dingue son truc là. Oh non. Putain, j'en ai marre. Oh, je vous jure que j'en ai marre. Elle va pas crever, hein. Mais tu vois pas que je passe ici depuis au moins 40 000 fois, tu pourrais pas la laisser ouverte cette putain de porte. Hein? Tiens, aussi en cours de chemin j'ai eu l'idée de mettre le truc, l'arbalète là. L'arbalète. J'utilise. Ça tire des carreaux. Ouais, on va essayer. Allez, c'est parti les gars. Vite, casse-toi maintenant, casse-toi. Ça fait que dalle. Je fais le four, je l'attaque à distance, j'en ai marre. Je sais pas ce que ça vaut ça. Arrête. Ah oui. Panneau. Putain, s'il y avait un vers moi, je suis mort. Voilà. Allez. Oh oui, il y a plus. Je peux l'attaquer. Je suis au beurre là, c'est pas bon. Non! Crève! Va crever! Voilà! Âme de Nachandala! Many monarchs have come and gone. One drowned in poison, another was shot into flame. Still, the village slumbers in the realm of life. Ah, ça, j'ai fait ça. As you do now. You, conqueror of adversities. It was your answer. Wait. Non, pas encore un bus. Là, tu veux que je fasse quoi ça? Quoi? Oh non, mais non! Oh, je suis dans la colle là. Il fait mal. Ouais, mais non. Faut une autre épée. Faut une autre épée, voilà. Non. Voilà. Cette épée là. Je crois que c'était neuf. Cet enfoiré. Donc j'ai pris des sorts de feu, ça sert à rien contre lui. Oula. Il est où?
pas dans le feu, trop de fion. Et en plus je crame. Ah. Putain, il est fort Bradley. Un jeu Bradley. Bon, on crève pas là, mon coucou. Allez, retire tes trucs. Retire tes flammes, je peux pas t'attaquer. Deux. Voilà. Je peux te balancer quoi? Oula, oula, il va exploser, non? Vas-y. Oui, oui, oh, il se régénère, c'est bien mon Bradley. Ah, j'ai plus de fuel. Oh merde. Ah, est-ce que ça pour me soigner? Allez, bah, c'est pas grand chose. T'as combien de sœurs? Non, oh, non, 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 non. Il me vise ou il me vise l'autre? Vise-moi! Oh putain! Vas-y! Non! Non! Oh non, je suis dégoûté là! Non! T'as imaginé le gars qui tombe là? T'as les deux gardes, t'as Anachandra et t'as lui qui arrive derrière! Non, mais c'est une blague quoi! Hein, mais 120 000 âmes là! Putain! On est où ce putain d'anneau? Il est là. Chandra, c'était assez éprouvant le duel. Les deux gardes, le Nachandra, la Nachandra plus l'autre là. Enfin, de dingue! Je peux pas les battre tous d'un coup et d'un coup. La première fois que tu les rencontres tous, tu les enchaînes tous à la suite, c'est impossible. Et le gars il m'aidait tout le long de l'aventure, pourquoi il m'attaque à la fin? Bon, en même temps j'ai pas trop compris l'histoire de ce Dark Souls 2. J'ai juste compris que le roi il était devenu fou, enfin il devenait une carcasse à long terme. Il s'est réfugié dans la crypte, jusque là j'y suis. La Nachandra, impossible de savoir qui c'est. Même si j'ai mis une petite supposition que ce soit peut-être la reine, puisque ça allait dans le truc du trône avec le roi qui est devenu fou et garde le trône. Ça doit être un truc comme ça. Mais lui, il a une espèce d'arbre bizarre. Enchante-moi ça. Ah, tu vois, j'ai le même effet que toi, Bénard. Bénard de Jugo. Laisse-moi prendre mes âmes, s'il te plaît. 120 000. J'ai pas un truc qui résiste au feu, franchement. Ah merde, j'ai changé aussi. Résiste à la magie. Ah, j'aurais dû changer, merde. Regarde-moi ça, on peut pas l'approcher. Crevez pas tout de suite s'il vous plaît. 14. 14 la putain de flamme magique. Comment ils font? Ah, je sais ce que je devrais utiliser. De toute façon je peux crever, je sais ce que je vais utiliser après. Le sort de pyromancie, transpiration. J'utiliserai bien ça.
Ah. Ouais, parce que non, l'autre il faisait 14, il va faire 7. 6. Totalement pitoyable. Donc là, pourtant j'ai 50 en foi. Hein. Mais bon. Du feu sur du feu, ça sert à rien. Putain, Jugo, t'es nul. Flamme, ils font de plus en plus mal. Qui va apparaître sous moi, non? Je le bats comment? Évidemment, je peux le taper. Dégage, 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 dégage. Putain, non. C'est une aberration, ça. Tu peux pas le taper 3 secondes, quoi. Une roulade à Pacifique, ouais. Bon. Bon, vire-moi cette merde. Virez-moi tout ça. On va replanifier le truc. Les soins. Les soins. Ça, ça fait quoi? Un miracle, nanana. Il reste un grand nombre de PV au lanceur ainsi qu'à ses alliés proches. Allez, on va le mettre. Bah, lance de. Non, les foot, ça sert à rien. J'aurais bien aimé l'utiliser, mais ça sert à rien. Ça prend 4 emplacements. Ça. Non, il faut le truc transpiration. Chaleur, non. Transpiration abondante. Ok. Le truc toxique, hein, on va tenter. Et je vais prendre un autre truc de soin, je pense. Voilà. Hop, on est très bien, on est parti. Bon, les gars, ça va pas le faire là. Hein, je vais pas recommencer 40 000 fois à utiliser mes âmes. Donc vous sortez les doigts du cul. De cet arbre géant là. Ok. Inspiration abondante, voilà. Normalement le feu ça va rien me faire. On va voir ça. Ça me fait du mal. Oui, ça me fait du mal. C'est de la merde. Cuc, ça fait un truc. Sont mes alliés. Je vais essayer de les soigner. Mais que qui soigne. Ah oui, mais ça ne soigne que moi aussi. Ça ne soigne que moi. Ça ne soigne que moi qui est tout petit. Bon, je prends un coup, je crève. Rêve.
Est-ce que ça marche le poison sur lui? Pas l'air de marcher. Allez, bientôt meurt. Allez, avec le poison, bordel. BR, tu vas crever, BR. Bénère. Oh, vas-y, j'ai couru là. Allez, soigne-toi toi. Non, Bénard. Non. Bradley. Non, Bradley. Non, Bradley. Tu me laisses tout seul. Bradley, non. Ah, du coup, il était à côté. Ouais, le temps que j'arrive, il y aura les flammes. Hein. Oui. Exactement. Allez, t'as presque plus rien. Je peux pas l'approcher, même avec le truc de transpiration abondant. C'est quoi cette merde? Oh, il me tape à 50 mètres. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Bon. On va faire une tactique un peu plus fourbe. Hein, comme dans ce jeu-là, il n'y a que des tactiques fourbes qui marchent, de toute façon. Donc, je vous explique le plan. J'invoque les trois. Et je fais le soigneur avec les sorts de soins. Et je les laisse se démerder. C'est eux qui vont me l'affaiblir et je le taperai une ou deux fois, mais pas plus. Parce que normalement, mon sort de soins peut les soigner. Je verrai ça, ça se trouve c'est une terre qui tombera tout complètement à l'eau. Alors 48 au feu, est-ce que j'ai une armure qui résiste bien mieux au feu? Oui, ça ça résiste bien au feu mais c'est pourri. Ouais. Allez, c'est parti. C'était un petit peu mis au feu quoi. Oh, on se direct les boules quoi, non. Arrête avec tes boules là. Oh, 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 calmos, on se calme. Allez, allez. Tout va perdre la boule. Bon, on va tenter mon truc. Je go. Oui, ça te soigne aussi. Bon, ça le soigne, ça l'a soigné, je l'ai vu. Oh merde! Allez, je vous souhaite. Allez, bordel!
ça a pas l'air de marcher en fait. Alors autre chose, on va tenter autre chose. On va tenter de lui lancer des urnes. Ça. 5. Wouah. Voilà. Ça c'est du... Vas-y putain. Oh, c'est quoi ça? Franchement. Ah, il t'en envoie pas deux, il t'en envoie bien 5 de suite, hein! Putain! Mais 120 000 âmes! Oh, vas-y! Ah, il va crever en enfer! Oh, il les a relancés encore! Je vais pas m'approcher de son feu là, c'est quoi cette arnaque? Portée négative avec un espadon! Voilà, j'ai rien eu le temps de faire, c'est génial. Bon, vas-y, lance lui la truc de foudre, ça lui fait rien. Maléfique. 14, allez, c'est mieux. Donc la magie, à mon avis, ça doit pas marcher non plus sur lui. Bon. Il va falloir que je réussisse à le battre pour le bien de ma santé mentale, parce que sinon ça va pas le faire. On va faire partie. Chandra à côté, c'est de la rigolade. Oh, vas-y. En fait, il est faible quand il a pas sa putain de truc de feu de merde. Barrez-vous là, putain. Oh, vas-y, il tape à côté. Pas sur une zone. Allez, allez, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Dégage. Non, 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 non. Oh, je l'ai vu arriver. Oh, je l'ai vu arriver ça. Il va intensifier ses flammes à la con. Ah non, tu peux rien faire là. Tu peux rien faire. J'allais sauter dedans comme un con. Allez. Ça va, non? Gage. Putain, j'ai oublié de me prendre un truc. Je le tape qu'une fois pour toi. Vas-y, envoie tes boules, vas-y. Non? Vas-y, il est presque mort là. Il est sur moi, il est exprès pour... J'aurais pu. Oui! Bien joué, Bradley. Je pense. Je savais que t'allais y arriver, vraiment, Bradley. Je t'implore, merci. Je t'implore, merci.
Le trou ne vous revient de droit. Je sais pas ce que je veux, j'ai rien compris au jeu. Alors j'ai deux choix, c'est soit je me barre ou soit je prends le trône, c'est ça? Ah ah! Quel choix je vais bien pouvoir faire? Alors si je prends le trône, ça voudrait dire que je règnerai en tyran? Parce que dans le 1, si on ravivait la flamme, on restait dans l'époque de la flamme. Et on passait pas dans l'époque des ténèbres avec les humains ou un truc comme ça? Il y avait quelque chose comme ça dans le 1, je crois. Si on sortait, on abandonnait si on y allait. À mon avis, c'est le même choix. Oh, je m'en fous, je vais sur le trône. J'ai la couronne, ça va faire classe. Oui, on va vers le trône. J'ai battu tout le monde. Oh putain, j'aurais dû mettre un pantalon avant quand même. Oh oui, qu'est-ce qu'ils m'ont fait baver dans le truc de l'hiver? You who link the fire. You who bear the curse. Vous qui entretenez le feu, d'accord? And all of this will play out again. Voilà, l'histoire se répétera, d'accord. Donc c'est la mauvaise fin, en fait. It is your choice to embrace or renounce this. J'aurais dû mettre un... J'aurais vraiment dû mettre un pantalon. Comme dans le 1. Great sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Il reste enfermé là-dedans, perso? Non. Merde. Ah merde, j'avais tant de trucs à faire encore. Oh, c'est pas cool là. Buter tous les PNJ? Je peux pas le passer en plus. Bon bah je vais retrouver à la fin du générique si jamais il se passe quelque chose ou si je peux faire autre chose. Ou si ça nous fait démarrer directement au New Game Plus. A tout de suite. Légendaire, voir la fin. Ouh. Ok, c'est cool. Donc je réapparais là, ok. Si je vais juste parler pour monter le niveau déjà. Bearer of the curse. I will always be at your side. Until hope has fully withered. Ok. Niveau sup. J'ai augmenté la force. On va utiliser le truc du roi. Trois niveaux 100 000 quoi. Pff. Fragment de fiole d'Estus. Oui, on n'est pas. Bah oui, on semble bien. On ne dit pas. So that I may ease your burden. Over the hill and past the forest is the king's castle.
where a man peered straight at whatever. Ok. Ah, commencez votre périple 2. Ah d'accord, c'est New Game Plus. Ok. Bah je pense qu'on va finir l'épisode ici. Et dans le prochain épisode, je vais pas refaire un deuxième cycle. Hein. Je vais juste aller partout pour tuer tous les PNJ. Pour voir ce qu'ils pouvaient nous donner. Comme ça je pourrais passer tranquillement au, au N plus 2. N plus 1, les New Game Plus quoi. Donc bah j'espère que cet épisode vous aura plu, il y a eu de la rage, beaucoup de rage de ma part. Genre je m'en excuse si j'en ai choqué certains, mais c'était... j'en pouvais plus, à la fin c'était vraiment trop, 3 boss de suite, où t'es obligé de garder tes 100 000 âmes sur le... dans l'arène, et t'es obligé d'y retourner en fait quoi qu'il arrive pour aller les récupérer, donc ça c'est chiant. Voilà. Donc bah moi je vous dis bon jeu à tous et à la prochaine pour l'épisode final. Salut à tous. Donc voilà, l'épisode, enfin le let's play de Dark Souls est fini. Je ne ferai pas New Game Plus en vidéo, je le ferai moi de mon côté, mais je vous ferai pas voir la vidéo parce que c'est le même gameplay, je pense. Ça doit être pareil, la même chose. Donc si vous avez aimé la série sur Dark Souls 2, bah, laissez un petit pouce vert. Et si vous avez des choses à me dire, bah, vous pouvez toujours le faire dans les commentaires si vous avez apprécié ce que vous avez... Ce que je devrais changer dans ma manière de... parler, de faire peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas si vous avez aimé, laissez un petit pouce vert, ça serait vraiment plaisir. Et sinon bah moi je vous retrouve sur de nouveaux jeux pour de nouveaux let's play, ou sur des jeux pour des petites astuces vraiment vite fait. Donc voilà, donc en attendant le prochain jeu, je vous dis bon jeu à tous et à la prochaine.